50 ans de carrière artistique, le pianiste d'origine roumaine, Radu Lupu, a collaboré avec les orchestres les plus importants du monde et joué sous la baguette de chefs d'orchestre renommés tels Herbert von Karajan, Carlo Maria Giulini, Zubin Mehta, Rudolf Kempe, André Prévin ou Riccardo Muti. Radu Lupu a fait ses débuts aux États-Unis en 1972 avec l'orchestre de Cleveland et le chef d'orchestre Daniel Barenboim à New York, ainsi qu'avec l'orchestre symphonique de Chicago et le chef Carlo Maria Giulini. C'est toujours en 1972 qu'il a signé un contrat de longue durée avec la maison de disques Decca. Il a réalisé de nombreux enregistrements comportant des œuvres de Mozart, Schubert, Brahms, Grieg, Schumann. En 1995, l'enregistrement de deux sonates pour piano de Schubert et de Schumann lui a valu le Grammy Award dans la catégorie « Meilleure interprétation instrumentale de l'année ». Depuis 1990, le pianiste roumain qui vit actuellement en Suisse retourne assez souvent dans son pays natal pour des concerts et des récitals qui font les délices des mélomanes. Pour la fin de notre rubrique musicale, nous avons choisi un extrait de la dernière partie du concerto numéro 2 en si bémol majeur, opus 19, pour piano et orchestre de Ludwig van Beethoven, avec Radu Lupu au piano accompagné par l'Orchestre philharmonique d'Israël sous la baguette de Zubin Mehta. Parole jeune. Valentina Beleavski. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous découvrons la capitale roumaine, Bucarest, par les yeux de trois étudiantes étrangères qui ont passé plusieurs mois en tant que stagiaires. Elle, très jeune, a des contrastes, des images, des sons et des saveurs qui se mélangent pour former le paysage d'une capitale pas comme les autres. Merci d'être avec nous.
Notre première invitée est Kristina Sekáčová de Slovaquie. À 24 ans, elle est étudiante à Bratislava en seconde année de master en interprétariat et traduction.